Sûr. Annonce que nous gagnons. Demain, si Dieu veut, les ouvriers avec Christ n'ont pas travaillé dans l'église là. Mais demain, si Dieu veut, nous gagnons une invitation spéciale. Nous appelons l'église victorieuse de Jésus-Christ, l'église qui n'en a couru avant qu'on bouche pique là. C'est là, n'a pillé demain matin, si Dieu veut, c'est l'anniversaire des femmes. Donc, les ouvriers avec Christ, l'unité de prière, nous toujours avec moi. Donc, mais demain matin, si Dieu veut, c'est moi-même qui pourrai le prêcher pour eux-mêmes. Et demain soir encore, c'est là, n'a bien belle fête qu'a fait, bien pilote l'église, qu'a plate demain soir, si Dieu veut. Si demain matin, il y a quelques bien-aimés qui sont capables avec moi, je suis bien content. Mais nous avons plus besoin de nous demain soir, si Dieu veut, dans le terminal là. Donc ça fait nous pas mettre ouvrier avec Christ pour nous capables, après service là, pour nous prendre un petit repos. Et puis, il a fini pour nous collecter nous ensemble pour nous aller dans l'église là qui sera courée avant pour boucher. Nous connaissons l'église là déjà. C'est là que nous appuyons demain si Dieu veut. Ni matin, donc nous ne pouvons pas prendre dans la croisade là. C'est dans l'église ça que nous appuyons. Ni matin, ni à contraire. À Soya, nous avons eu une conférence. Mais nous avons eu une cancel conférence là. Bien content. Je suis bien pour un petit repos. Parce que nous avons eu une semaine de réveil. Alors, pasteur a dit, bien aimé, nous tellement fatigué. Il a eu un petit break à Soya. Donc, il dit moi en octobre si Dieu veut, la prélève en octobre si Dieu veut pour moi venir faire conférence pour eux-mêmes. Donc il a dit qu'il est en octobre là si Dieu veut. Donc c'est ça fait à Soya, moi pas dans l'église là, mais ma plan ni demain matin ni demain soir si Dieu veut. Et dimanche prochain, premier dimanche du mois si Dieu veut, et ouvrier avec Christ, n'a travaille la caille sur Carole Pierre. Nous connaissons que Maril t'es l'hôpital, fait combien de temps l'hôpital? Bon, nous disons bon Dieu, nous merci, Marie a sorti. Et semaine passée à tous, c'était anniversaire. Donc, nous avons besoin d'une prière. Donc, c'est la napier. Dimanche prochain, si Dieu veut, la caille sur Carole Pierre, qui est dans New York, East 29. C'est la liée. Ma baye mette sous programme là. Donc dimanche prochain, na wè côté nou a pye la caille servante là à la gloire de Dieu. Et puis pas oublier le 17 septembre si Dieu veut, nous a célébrer l'anniversaire de l'unité de prière. Nous t'aimer tout le monde là avec nous. Nous ba date là d'avance, wè ça a fait si c'est pas vous c'est vous travail ou wè si toutes les fois ou t'as capable de gagner vous ça. Et moi, je crois que l'année dernière, l'unité de prière t'a travaillé. Quand là, t'es venu dans mon service. Et puis après ça, l'unité de prière t'est passée à l'action. Donc, nous pouvons connaître comment va la paix. Nous déjà à nos dates là. C'est 17 septembre. 17 septembre, si Dieu veut, l'unité de prière a célébré. Mais c'est la caille, moi, je toujours fait, c'est la nappe fait. Alors, pas dit li trop loin parce que moi-même moi fais tout temps m'a descendre Brooklyn pour me venir. Alors une seule fois nous même tout faut nous monter venir pour côté mieux. Si moi-même me descendre la caille nous chaque jour, un jour tout faut nous monter la caille. Alors pas garder distance mais on nous fait travail bon Dieu nous hein. Donc n'a pas tant nous et pas oublier vous, l'unité de prière à travail, tout le monde mettez maillot l'unité de prière sur nous-mêmes. Si vous voulez. Maillot à mettre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un corsage là. Donc nous réservons le corsage là pour les que nous avons à nos côtés, pour nous aller avec lui. Mais c'est maillot qui a sur nous-mêmes, parce que ni homme ni femme, il y a un maillot. Donc il y a mettez maillot l'unité de prière le 17 septembre, si Dieu veut.
OK? Et bon, nous demandons ensuite la prière parce que bon Dieu nous a, c'est bon Dieu, il a employé nous dans le travail, il a fait ça nous capables, autant nous capables. Comme moi dit, je vais vous dire que donc tout ça nous capable de faire, c'est pour nous faire. Alors, nous aidons dans la prière parce que nous avons rien à faire pour nous pas demander bon Dieu direction. Il y a une possibilité, nous allons retourner back à Orlando. L'année dernière, nous avons eu et pas de grand pile qui était allé, là nous allé en octobre là. Donc dans l'église chez Marise là, chez Jacqueline qui était allé avec moi avec docteur Carole. C'est dans juillet groupe là était allé, mais l'église là voyez chercher connait yo dit que gien possibilité gien 90% chance yo ka voyez chercher en octobre la première semaine mois d'octobre là. Si Dieu veut pour nous capable aller à Orlando. Si il y a un monde qui t'a voulu planifier pour aller avec moi, nous t'a bien content. Si nous pour aller, nous pour aller bon, d'ailleurs même pour ça d'après ça m'entendé yo dit c'est t'a arrivé pour me t'a faire toute une semaine avec eux. Mais qui ont dit gens très difficile. Donc nous d'après si peut-être nous capable aller plus tôt parce qu'il a commencé réveil le 2 octobre, dimanche 2, pour au final dimanche 9. Alors madame pasteur a dit, li ta remè pou m ta la tout jour, mais qui ont ti gens difficile, mais si m te ka aller la mardi et puis retourner lundi matin si Dieu veut. Donc mettez moun ki ta vle aller avec moi si possible pour nous-mêmes, fait m konnen pour nous getan planifier nous à la gloire de Dieu. Et aussi et la semaine Thanksgiving, nous avons planifié nous pour aller à Arizona. Amen. Nous voulons chercher nous pour Arizona. J'ai songé que pasteur Michael qui était là avec nous en Pennsylvania, il a porté rapport avec pasteur dans l'église là. Et pasteur a dit, groupe ce ben j'étais venu déjà en 2005. Il a manqué groupe là en pile. Évangéliste, tu étais là avec nous. Alors évangéliste, tu même tout doux ça. Nous pour aller à Arizona mercredi qui précédait Thanksgiving. Nous pour aller en mercredi et puis nous retourner back dimanche soir. Nous prenons service là le matin et nous allons passer ça non là oui. Et nous allons frère Rémi là. Nous allons frère Edgar là. Tout le monde est mieux. Nous allons là. Frère Jean-Claude Moyen. Frère Cantave Moyen. Même quand les frères font ce moyen, pas j'en manque. Même balou d'être là d'avance. Mettez d'être ça. Pas pour des paroles Thanksgiving. Si nous gagnons, nous l'avons. Ouais, moi-même, quand les frères Jacques moyen, pas bralé. Mais avant d'aller, depuis là, m'a dit, ma qui cause, m'y en mettez la boule. Il va y avoir des problèmes avec moi. Alors, fais préparation, nous bien aimés. Parce que yo mandé pour groupe là, yo t'a remé ouais groupe là, retourner back Arizona pour nan faire travail bon Dieu. Il pas en plaisir nous pour aller non, et le travail Seigneur nous pour aller. Donc moun ki décide pour aller, fait me connait à l'avance pour que moi octobre là si Dieu veut commencement octobre là pour nous getan faire réservation parce que sinon tonne c'est en novembre la semaine Thanksgiving nan nous faire réservation. Si qu'il y a vinn cher parce que nous connaît l'an époque Thanksgiving en pile on a parti. Donc c'est si nous fait l'an octobre là la piste bon marché pour nous-mêmes. Donc on nous planifie nous pour nous ouais ça nous a fait à la gloire de Dieu. Et l'année prochaine si Dieu veut, nous gain pour nous aller à Saint-Domingue. Nous gain un pasteur qui là avec nous sur réseau de prière là. Tout bien aimé nous connaît qui est avec moi sur réseau là, pasteur Jude Joseph. Eh bien, pasteur ça, lui, c'est un pasteur qui a un gros ministère, qui a un paquet de timoun haïtien sous compte lui, l'a occupé. Timoun, il n'y a pas rien pour manger, il n'y a pas rien pour mettre. Ben, il y a un petit gens dur en pile pour pasteur. Eh bien, lui, m'a dit, s'il vous plaît, si nous capables, ben, nous faisons un geste avec lui pour aider timoun. Eh bien, nous connaissons toute l'autre équipe qui est sous réseau de prière. Tout est envoyé cotisation par yo, excepté l'unité de prière. Donc, s'il vous plaît, l'unité de prière, ça fait presque 2 mois, oui, pasteur a demandé nous secours.
La famille Pascal qui t'envoyait cotisation pas yo aller. La famille Paraison qui t'envoyait cotisation pas yo aller. Pasteur Michael de Arizona li voyait aller. Et c'était l'unité de prière. Et nous content de m'a fait annonce là, m'a dit ça fait l'unité de prière pour qu'on baille participation. C'est parce que nous gagnons en pile occupation, mais nous pas le fêter l'unité de prière, nous avons bien trop belle sous côté nous. Nous t'aimerons nous passer à l'action. Pour cela, nous avons des sœurs, Sœur Narita, pour un tambour. Nous t'aimerons, s'il vous plaît, si nous sommes capables de faire une offrande spéciale pour nous voir pour ces enfants. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça nous a baillé là. Libanon do la pral l'empoche moi. Au contraire, moi-même ma baye participation. Comme moi toujours dit nous, n'en prend rien, prend qu'un cob l'unité de prière pour mettre l'empoche pam. Et c'était si son bagay personnel pam, yo moun dit c'est Beljak, mais ça me fait cadeau. Mais si c'est l'argent l'unité de prière, m'pa rien, moi quitte pour faire travail bon Dieu. Alors s'il vous plaît, nous ta remen une offrande spéciale pour aider les enfants à Saint-Domingue. Et l'année prochaine, si Dieu veut, nous venons pour nous aller à Saint-Domingue là, dans la mission ça, nous va voir comment Timoun yo yo réellement dans le besoin, à nous aider, faire ça nous capable dans le nom de Jésus vivant. Et aussi nous voulons annoncer nous, samedi prochain, nous gagnons Pasteur Sagesse, lui pour aller ouvrir l'église très bientôt. Mais en attendant que le peuple ouvre l'église là a commencé la caille. Donc samedi, si Dieu veut, il y a un jeune que lui a fait la caille. Donc, il a demandé si il y a un monde qui t'a voulu là avec les samedi. Si Dieu veut, nous avons une caille. Parce que Sagesse déjà, qui s'est tout collé avec caille frère Jean-Claude là, il a un numéro lui-même 11-11-83. Et between K and L. Donc, si il y a un monde, nous connaissons l'église là, bien jeune pour les ouvriers et tout. Donc, les gens qui sont capables à l'église là, nous ne pouvons pas marier personne. Mais si il y a un monde qui est capable là, avec eux tout, là, quand il y a cette sagesse là, fais ça nous capables dans le nom de Jésus. Et dimanche là, si Dieu veut, les gens servent tout là, fait la caille. Et c'est là, pendant la Kali, le service l'a fait la Kali, la tout bas, la 7 scène, tout, la Kali. Et il y a quelques bien-aimés qui déjà dit, c'est là, il n'y a pas la 7 scène. Alors, nous ne pouvons pas répéter personne, même Jésus ne peut pas répéter nous. Il va nous liberté pour nous faire ça nous voulons. Alors, nous prenons détermination, nous, Dieu fait annonce la passée, nous prenons détermination nous, pour nous connaître ça nous fait dans le nom de Jésus. Donc, je connais si le vice-président de l'annonce qui me fait passer. Ou bien, pendant que je passe le micro à Bali, je vais tout chanter un chant pour vous mettre avec Pasteur Sanon qui va porter le message de la parole. La paix est avec nous. Nous saluons dans le nom de Jésus, et spécialement l'ange groupe là, Évangéliste Beljak qui est du côté de Orlando, qui a passé une semaine. À chaque fois que nous sortons, nous entrons. Nous disons bon Dieu merci parce que c'est un grand privilège. Il y a des gens qui sont qui va rentrer. Surtout quand il y a un mouvement avion terroriste avec machine à patine à droite et à gauche. Et nous disons bon Dieu merci pour vos servantes. Et pour être vraiment fort bien, nous allons retourner, le visage n'a pas retourné même gens. Nous devons faire un arrangement chaque année pour nous voir une petite vacance comme ça, parce que ça fait du bien. Nous saluons la famille Bénissoir, bon Dieu béni. Et nous baillons bon Dieu gloire pour vous, on a prié pour vous. Parce qu'on dit là, on va dire dans le grand monde, bon Dieu guéri, on est jeune, on est plus par la plus, et qu'on y a bon Dieu guéri. Nous disons bon Dieu merci. C'est pas sans raison nous venons la caille au matin. Bon Dieu connaît, vous avez bien fait chèvre pour les. On va quitter malade, et bien vous attendez, non? C'est pas le plus souvent qu'on dit ça. On m'a dit qu'il était malade dans le jeune, il n'a pas été vieilli, mais qu'on y a, c'est qu'on y a bien santé. Le plus souvent, on a toujours entendu c'est rivers là, nous t'envie. Ouais? L'autre jeune qui vont te, mais c'est vite ça. Bravo, quand on témoignage. C'est vite ça. Lui, il n'a pas été dans le grand monde, il connaît plus bien. À Aronté de Sadi, il était 80 ans. Il dit, bah, le monde, non. C'est vite, il était plus jeune à 80 ans. Puis moi, je continue à bénir, et je continue à garder dans nos Jésus.
à nous mettre nous debout pour nous recevoir l'homme de Dieu dans la parole bon Dieu. Sagesse, mais ballon esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Éliminez les yeux de notre cœur, afin, Seigneur, nous capables de recevoir parole, nous capables de parler à travers serviteurs. Éliminez les yeux serviteurs tout pour nous capables de parler avec autorité selon ta parole. Et mon qui est en présence ou qui est malade, car retourner guéri. Et mon qui est l'esprit de maladie, nous car retourner avec l'esprit de la vie. Et Seigneur, nous car victoire dans le nom de Jésus. Seigneur, nous merci d'être invité nous dans la présence. Nous demandons bénis-nous. Sous l'autorité de ta parole, à travers ton serviteur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Mon Dieu, bénis-nous. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous comptons matin pour nous capables de présence de mon Dieu, ensemble avec l'unité de prière. Nous allons faire des lectures. À la gloire de Dieu, nous lions ensemble avec nous. Luc chapitre 1er, on commence à partir du verset 5, on arrive dans le verset 21. Luc chapitre 1er, le verset 5 à 21. Et on lit Luc d'abord, le verset 1er. Luc chapitre 1er, on va perdre les positions, mais Chita, c'est l'étudiant déjà. Luc chapitre 1er, le verset 5 à 21. Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un à l'autre avant son âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de sa fonction devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après le règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple en était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Le verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant les seigneurs. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni vin, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramena plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple saint, un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrais-je cela, car je suis vieux et ma femme est avant son âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. »
Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'il avait en une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Parole, bon Dieu. Amen. Tournez ensemble avec moi. Deux Rois, chapitre 6, le verset 25 à 33. Deux Rois, chapitre 6, le verset 25 à 33. Il y eut une grande famine dans la Samarie, et il se serrait tellement qu'une tête d'âne valait 20 cycles d'argent, et le cadre de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'herbe ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ?» Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple en vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse de toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que les messagers soient arrivés, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra fermer la porte et repousser-le avec la porte, le bruit de pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Le verset 33. Il leur parla encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Que j'ai espéré encore de l'Éternel. Parole, bon Dieu. Amen. Maintenant, nous allons partager un sujet ensemble avec vous, pas trop longtemps, parce que, j'aime le dire, l'heure nous presse, pas rien de temps devant nous. Et le sujet a dit comme ça, si vous ne pas croyez dans la parole, bon Dieu, dans pile malheur qui arrive. Vous avez des amis dire. Si vous ne pas croyez dans la parole, bon Dieu, dans pile malheur qui arrive. Et qui ça?